I can break it down. Salutations humains, mon nom est Ratch. Regardez ce que j'ai à vous proposer. Tout le monde ici déteste voir des non-Krogan chez les Urnotes. Tout le monde sauf vous. Je peux pas me permettre de refuser des clients payants. Je traite suffisamment avec les autres races pour savoir que vous avez plus de crédit que les gens du coin. Qu'est-ce que vous avez en stock ? Principalement des boissons et des aliments toxiques pour les humains. Le Rinkol notamment, une spécialité locale. Un conseil, ne cherchez pas à jouer les gros bras. Sinon, j'ai des armes, de la ferraille, et le peu de nourriture que les pidjacks ne volent pas. C'est-à-dire pas grand-chose. Jetez un coup d'œil à mon kiosque par là-bas, si vous... Qu'est-ce que vous avez en stock ? Jetez un coup d'œil à mon kiosque par là-bas, si vous... Je vise bien. Je peux peut-être vous filer un coup de main contre les pidjacks. N'hésitez pas. Vous pouvez utiliser la console là-bas pour contrôler les canons. Réduisez un peu leur nombre et je vous... Eh bien, bonne chance. Je dois partir. Comme vous voulez. Elle a des enfants. Mais plus que l'épouse de Dury. Je crois bien qu'il me ressemble. Un faux mouvement. Voyons ce que vaut un humain.
Encore une victoire dans les fosses et je prends ma retraite. J'ai joué à Attrape le Varenne avec le petit. Urzaf. Qu'est-ce que c'était bon. C'était très rigolo. Alors n'hésitez pas à remettre ça. Je vous fais une remise dans ma boutique. Tout ce que je dois partir. Comme vous voulez. Jeu sur les fosses, humains. Cherchez encore ce galarien ? N'est-ce pas? Oh!
Crystal Krogan reconverti. Solide, conçu pour résister aux assauts. Ce cadavre, un humain. Je dois l'examiner. Ecchymose, tumeur, ligature aux poignets et aux chevilles, marque d'injection récurrente, un cobaye. Un martyr de la science. Ils veulent combattre le génophage Krogan en faisant des expériences sur d'autres espèces. Les humains font de bons cobayes, très diversifiés génétiquement, excellents pour la recherche appliquée. Venez, on doit toujours trouver Mylan. Entendu. Je suis le porte-parole du clan Wirlock, étranger. Vous avez versé notre sang. D'ores et déjà, vous encourez la mort. Mais dans sa grande mansuétude, notre chef Wirlock Guld vous autorise à partir et propager l'annonce de notre venue. Les Krogan n'ont pas la clémence dans le sang. Qu'est-ce que mijote le clan Wirlock ? Partez dès à présent, et vous pourrez dire à vos enfants que vous avez vu le clan Wirlock avant que nos berserkers ne conquièrent les étoiles. Vous trouvez les urnotes impressionnants ? Ah ! Ils sont pitoyables ! La guilde Wirlock va les anéantir ! Le Galarien surmontera le génophage, et le clan Wirlock se répandra à travers la galaxie en une marée de sang ! Apparemment, ils ont découvert les recherches de Mylan. C'est fâcheux. Si vous voulez que le clan Wirlock ait un avenir, livrez-nous Mylan tout de suite. Une fois le génophage vaincu, Wirlock Guild sera notre souverain à tous. La rébellion Krogan deviendra l'Empire Krogan. Pour faire peur à leurs enfants, les races survivantes leur raconteront ce que les berserkers ont infligé aux Turiens. Les Asari verront avec horreur leur citadelle plongée dans le soleil. Nous ferons des Galariens nos esclaves et de leur jeu un méprisé. Si vous n'avez pas la présence d'esprit de fuir, vous serez les premières victimes parmi les milliards que nous foulerons aux pieds. Oh, Wirlock Guld ! À l'attaque ! Ils nous ont vus. Antiseptique et un soupçon de chair putréfiée. Une console active. On peut peut-être en tirer quelque chose ? Un instant. Séquence génétique. Mutagène hormoleux encore stable. Chaîne polypeptidique, tissu vivant, tissu cloné. Très exhaustif. Vecteur de traitement standard. Pas de bombardement d'immunosuppresseurs pour modifier les niveaux hormonaux. Tant mieux. Ce n'est pas en restant planté devant un terminal qu'on va trouver Mylan. En avant. Un cadavre de Krogan. Femelle. Les tumeurs dénotent d'expérience, pas de ligature, une volontaire. Une femelle Wirlock stérile qui a accepté de devenir cobaye dans l'espoir d'un remède. Elle s'est fait charcuter sans résultat. C'est navrant. Vous ne pensiez quand même pas que les Krogan allaient se résigner au génophage. C'est une chose de penser et une autre de constater. Repose en paix, jeune mère. Trouve tes dieux et un monde meilleur. Vous déduisez quelque chose de ce cadavre ? Les grandes lignes.
Thérapie génique, risque de cancer pour provoquer une mutation bénigne. Les chercheurs Krogan sont des monstres. Ils sacrifient les femmes de leur clan pour progresser. C'est immoral, irresponsable. Entre ça et rendre stérile toute une espèce, j'ai du mal à trancher. C'était nécessaire. La guerre Rakhni, la rébellion Krogan, tout indiquait un déséquilibre. Toutes les simulations prévoyaient l'explosion démographique Krogan. La guerre, l'extinction. Génophage ou génocide ? Sauver la galaxie face aux Krogan ? Sauver les Krogan face à la galaxie ? Vous auriez pu trouver un remède aux génophages. Les Krogan nous auraient été reconnaissants. Vision humanocentriste. Les Krogan raisonnent différemment. Démultiplication des conflits territoriaux. Tout Chanka aurait sombré dans le chaos. Émergence d'un vainqueur. Économie de guerre, armée impitoyable. Conséquences inévitables. Expansion et guerre galactique. Des victimes par milliards que le génophage a sauvées. Il faut trouver Mylon et boucler ce centre. Oui. Je vais prendre ça, on sait jamais. Vous avez tué les gardes Berserker ? Ni Berserker, ni Wyrlock. Les marques claniques diffèrent. Je suis un éclaireur Urnot. Les gardes Wyrlock m'ont surpris, ils m'ont ramené ici. Le chef éclaireur nous avait parlé de toi. On a éliminé les gardes. Retourne dans ton clan. Je ne peux pas. Les Wyrlock m'ont fait des choses. Des drogues, piqûres. Je me suis sacrifié pour le bien de tous les Krogan. Des expériences pour combattre le génophage. Tout est flou. J'ai du mal à réfléchir. Je ne dois pas bouger. Mordine, vous pouvez le remettre sur pied. Des stimulants peut-être. De quoi gonfler son système immunitaire. Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas trop malade pour partir, mais je dois rester là. Ils combattent le génophage. Tout va redevenir comme avant. Mais pour ça, il faut faire des tests. Attention, Shepard. Patient instable. Lunatique. Manipulé. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à ces tests ? Parce que c'est ma faute. Je n'étais pas assez fort, pas assez bon. Je ne peux faire que ça. Je ne suis pas assez viril pour avoir une chance de me reproduire. Je n'aurai jamais d'enfant. Mais si j'aide à combattre le génophage, ma vie aura un sens. Des millions d'enfants naîtront, des millions de Wyrlock. Ils vont anéantir les autres clans. Mais non ! Non, ils ont dit que j'aidais Urnot. Si tu veux aider Urnot, il faut rentrer au camp. Mais il faut être un sacré putain de dur à cuire pour rentrer blessé. Je peux y arriver. Toi ? J'ai dit un dur à cuire, pas un éclaireur qui gémit comme un carien qui a la courante. Je peux y arriver. Je me lève et je vais au camp des femmes. C'est ça. Vas-y, va leur montrer ce que tu sais faire. Go, go, go. J'espère que cette histoire de remède au génophage n'est qu'une hallucination de sa part. Shepard, je détecte des conteneurs remplis de matière instable, droit devant. Une perdue provoque une détonation considérable. Une opportunité à saisir. L'armure Krogan ne résiste pas aux explosifs. Tu crois m'avoir avec ça ?
ennemis en face. De chance, on dirait. Maëlle, vivant, indemne? Pas de ligature. Aucun signe de sévices physiques. Je ne comprends pas. Malgré tout votre intellect, professeur, vous avez toujours eu du mal à remettre en question vos préjugés. Combien de temps vous faudra-t-il pour admettre que je suis là de mon plein gré? Il n'a pas été kidnappé. Il est venu de son plein gré pour combattre le génophage. Impossible. Le projet était nécessaire. Toute l'équipe en convenait. Comment vouliez-vous que je contredise l'éminent docteur Solus? J'étais votre élève. Je vous respectais. Ces expériences sur des cobayes vivants, des prisonniers torturés, exécutés, c'est vous tout ça? Nous avons déjà des millions de morts sur la conscience, docteur. S'il en faut encore quelques-unes pour réparer nos erreurs, alors soit. Visiblement, on n'a pas besoin de secourir Mylon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il est temps d'en finir. Vous refusez de voir la vérité en face, d'admettre que votre génie vous a fait commettre une atrocité. Expérience inadmissible. Objectif inacceptable. Ce qui est fait, est fait. Tant pis. Je dois vous tuer. Attendez, inutile d'en arriver là, Mordine. Vous n'êtes pas un assassin. Non. Je ne suis pas un assassin. Merci, Shepard. C'est fini, Mylon. Partez. Les Weirlocks sont anéantis. Le projet est terminé. Et s'ils contactent d'autres Krogan, qu'ils révèlent à tous le projet de modification du génophage? Les unités spéciales feront le ménage. Il n'y aura pas de preuves. Aux yeux des Krogan, Weirlock a trahi les siens en s'alliant avec un étranger. Il ne fera pas de vieux os. Vous avez entendu le professeur. Allez-vous-en avant qu'il change d'avis. Où dois-je aller, professeur? Comme vous voulez. Pourquoi pas Omega? Une clinique, c'est toujours utile. Les Krogan ne méritaient pas ce que nous leur avons fait, professeur. Il faut mettre un terme au génophage. Pas de cette façon. Pardon, commandant. J'avais mal interprété les paramètres de la mission. Pas de kidnapping, compris. On a encore une raison de rester ici? Les recherches de Maëlon. Inabouties. Il serait plus sage de les détruire. Mais elles restent précieuses. Si vous les jugez utiles, pourquoi ne pas les conserver?
création du génophage modifié trop longue. Je devrais les détruire. Le travail de Maelon pourrait vaincre le génophage. Ça aurait un impact sur les Krogan, sur la galaxie. Trop de variables, trop de variables. Conservez les données, au cas où. Bonne remarque, Shepard. Capture des données, effacement de la mémoire locale. Il reste des années de recherche, mais c'est mieux que de repartir à zéro. Voilà. On peut y aller. Quittons Tuchanka, peu importe la destination. Un endroit au soleil, de préférence. Je vais rester encore un peu ici. Qu'est-ce que je t'avais dit, ma chérie? Ce n'est pas merveilleux. Je croyais qu'en venant sur Tuchanka, j'échapperais à ces insupportables aliens. Allez voir le chef du clan. Urnot Grunt, libre d'être. Un jour, on partira de ce caillou pour aller casser les tuyaux. Le clan Urnot a gagné en force après la destruction du clan Wirlock. D'après les profils démographiques, le clan Urnot a recueilli les survivants du clan Wirlock. Des femmes et des enfants pour l'essentiel. Une initiative habile. Surprenant pour un Krogan. En outre... Shepard, que puis-je faire pour vous, mon ami? Gare à vous, Shepard. Les faux sont devenus de vrais... L'éclaireur est revenu. On l'a installé sous la tente. Il se rappelle pas grand-chose à part la torture. Mais il a parlé de vous. Il a dit que vous lui aviez gueulé dessus jusqu'à ce qu'il ramène sa bosse ici. Vous avez un sacré carré de burnes, humain. Merci d'avoir sauvé mon éclaireur. Ça m'évite d'avoir en formé un autre. À plus tard. Ne faites pas attention, ma fille. Ça n'en vaut pas la... C'est vous qui avez... Quitte à rester planté là... Je peux rien faire d'autre avant d'avoir fabriqué un collecteur de rechange. J'ai trouvé un collecteur. Ça fera l'affaire. Oh, vous venez de m'épargner 3 jours de boulot, humain. Si vous avez besoin de moi, je peux... Vous bossez sur quoi? Je règle ces machines pour... Ça aurait pu être pire, remarquez. Quelques pètes de... Qu'est-ce que vous pensez? Il y a une case en moins, si vous voulez mon... Mais c'est le genre de choses qui... Faut pas vous sentir obligé. Le Varenne pourrait vous pister n'importe où sur la planète. Je me souviens de mon rite. J'ai bien failli y rester. Cet humain a un sacré cran tout de même. Tu n'as pas le cran. Un humain, tu es le dévoreur. Je suis peut-être. Shepard, j'espère que vous avez plus de chance. J'ai abattu sa reine. L'un des meilleurs. Bel exploit! Nous avons constaté la force de ceux qui détiennent ce titre.
Vous l'avez vous-même. De toute évidence. Shepard, j'espère que vous avez plus de sang sur les mains. Puissent vos ennemis... Shepard, j'ai détruit un ancien... Cela étant, je suis à deux doigts de vous. Puissent vos ennemis... Un humain tué le dévot. Alors finissons-en. Ouais, et c'est une bonne chose d'avoir Urnot Grunt avec nous. Ça nous ouvre de nouveaux horizons. Notre clan est en position dominante à présent. Et ces salopards de Galariens, ils méritent pas mieux. Qu'est-ce que je t'avais dit, ma chérie? Ce n'est pas merveilleux. Il y a quelque chose que je devrais savoir. Autre chose, commandant? Bonne chance, Shepard.
le SSC, Indrel a récemment passé la douane. Le bureau du SSC pourrait en savoir plus. Oui? Ça devrait pas être bien dur. On voit pas beaucoup de Drell dans le coin. Tenez, un de mes hommes a signalé un Drell récemment, qui parlait à Mouse. Tiens donc. Mouse? Un criminel de bas étage. Un messager, sans doute. Ça m'étonnerait qu'il ait engagé directement votre fils. C'est un ancien rat des ventilos. Tant qu'on le paie, il est prêt à faire n'importe quoi. J'en ai assez entendu. Mouse est généralement à l'étage devant l'étoile noire. Il reçoit ses boulots sur un terminal de transmission publique. Votre fils fréquente des types plutôt louches. Oui, j'en conviens. Si Mouse ne peut pas vous mettre directement en relation avec votre fils, il trouvera quelqu'un qui en est capable. Au besoin, je vous filerai un coup de main. Alors mieux vaut ne pas traîner. Vous ne l'avez pas dit que Goliath compte assassiner quelqu'un. C'est un flic. Il tenterait d'arrêter Goliath et l'un ou l'autre risquerait d'y passer. Effectivement. Merci, Shepard. Salutations, être humain. Vous trouverez de nombreux vaisseaux excellents au vent d'ici. Irashaimase ! Irashaimase ! Je suis le commandant. Bonjour, citoyen. Revenez vite, Shepard. Tu en penses quoi, Michael ? On devrait peut-être prendre l'immunostimulant, non ? Je crois qu'on pourrait trouver un endroit où acheter un poisson à bord. On ne vend pas d'animaux sur la citadelle. Ça gâche les équipements de vie. Vous pouvez acheter une assurance sur n'importe quel jeu. Si la protection anti-piratage déconne, vous pouvez télécharger une nouvelle copie gratos. Sans problème. Je peux vous en livrer deux caisses avant ce soir. C'est toi, Mouse ? Qu'est-ce que... Oh, merde ! Krios ! Je croyais que t'avais raccroché. Commandant Shepard ? Je vous croyais mort. Qu'est-ce que vous me voulez ? Reste tranquille, Mouse. Tu pourras changer de calbut plus tard. On a quelques questions à te poser. Mes employeurs... Écoutez, je ne peux pas rencarder n'importe qui juste comme ça. Pour moi, tu feras une exception. Tu as livré des instructions d'assassinat à un autre Drell. Qui est la cible ? Je ne sais pas, je n'ai pas posé de questions. Mes employeurs, ils me feraient la peau. Je demande qu'à t'aider, Krios. T'as toujours été là pour nous. Mais compte pas sur moi pour risquer ma peau. Tain n'assisterait pas si ça n'en valait pas la peine. Tu lui dois bien ça. Si seulement je pouvais. Il a toujours été là pour nous. Mais ces types rigolent pas, Krios. Personne ne saura d'où on tient l'info. Mouse, je jure que ton nom ne viendra pas sur le tapis. Ah d'accord, c'est bon. Il s'est pointé avec cet holo que t'avais pris de moi. Il cherchait du travail.
Alors j'ai activé tes anciens contacts, histoire qu'il y en ait un qui lui donne sa chance. Le premier à se manifester, ça a été Elias Kellam. T'as bien fait, Maos. Ouais, c'est ça. Si je me fais dessouder, ça me fera une belle jambe. Kellam n'en saura jamais rien. J'espère bien que non. Je reste dans le coin, Krios. La prochaine fois que tu rappliques en ville, évite juste de rameuter la famille. Ça n'a pas dû être facile. Maos en savait plus sur ma vie que Kolyat lui-même. Il me sourit, les dents brisées, les genoux écorchés. Ses pieds nus noircis de crasse. Un enfant sans avenir, en adoration devant le feu que j'avais à lui offrir. À l'époque, il n'avait que moi qui se raccrochait. Mais je leur ai tourné le dos à Kolyat et lui. Ne culpabilisez pas. Personne ne le fera à ma place. Chacun doit... Vous le savez mieux que quiconque. Retournons voir. Ces jeux Entai Asari Anari en vente à Shinakiba, c'est vraiment hardcore. Nous venons d'apprendre la destruction du vaisseau pénitentiaire Purgatory suite à une émeute. Des vaisseaux de sécurité sont en route pour récupérer les nacelles de sauvetage. La fondation Sirta fermera ses portes à la fin de l'année. Elle ne s'est jamais remise du terrible attentat perpétré contre l'un de ses centres médicaux par des extrémistes biotiques. Irashaimase! On peut parler du fils de mon associé. Vous avez vu Maos? Il vous a donné le nom du type avec qui il travaille? Elias Kellam. Kellam? Merde. Écoutez, c'est un peu gênant. Kellam et moi, on a un accord. Il fait pas trop de vagues et il m'achète des billets pour le bal de charité du SSC. En échange, je ferme les yeux. Vous voulez toujours nous aider? Je vais demander à mes hommes de l'amener et de l'installer dans une pièce privée. Vous pourrez l'interroger vous-même. Moi, je jouerai les hommes invisibles. Avec de la chance, Kellam croira que je n'ai rien à voir là-dedans. Amenez-le, le temps presse. Je m'en occupe. Attendez-moi là. On a eu Kellam. Dites à Bailey que nous sommes prêts. Va encore falloir que je le sorte de là. Cette fois-ci, je ne pense pas. Capitaine, son avocat est là. Je parie qu'Elias se fait biper par son IV dès qu'un agent est à moins de 10 mètres. Je vais le retarder. Allez-y, entrez et faites vite. Nous devrions l'interroger ensemble pour maintenir la pression. Que préconisez-vous? Le persuader qu'on va lui loger une balle dans le crâne s'il parle pas. Quand il aura pris peur, il coopérera. Entendu. Je vais faire semblant d'être prêt à le tuer.
Mais nous ne devons pas aller trop loin. Nous ne pouvons pas extraire ces informations d'un cadavre. Relâche-moi, Bailey. Qu'est-ce que tu fous à me garder là? Vous êtes qui, tous les deux? T'as engagé un assassin. Tu vas nous dire qui tu veux faire tuer. Ensuite, on te laisse partir. Je vais voir mon avocat. Tu as sans doute remarqué que nous ne sommes pas du SSC. Pas d'arrangement, pas de contraintes légales, pas d'avocat. Et c'est censé me faire peur. Vous savez pas dans quoi vous vous embarquez tous les deux. Bailey vous laissera pas me toucher. Bailey ne sait pas que tu es là, mais il le saura bientôt. Quand on aura terminé. Cet entretien est officieux. Tu ne seras inculpé de rien. Tu te prends pour qui, crapaud? Son chevalier servant? Alors quoi, gamin? Tu t'attends à ce que je vide mon sac tellement je me fais chier? Vas-y, frappe-moi si tu l'oses. Non, hein? Je me disais bien que t'avais pas les burnes. Réfléchis bien, Elias. C'est l'assassin que je veux, pas toi. À quoi bon risquer ta peau pour lui? Tu me demandes d'avouer que j'ai embauché un tueur à gages? Tu me prends pour un con? Le nom et je disparais. Tu me reverras plus jamais. J'ai aucune raison de te croire. Elias, si nous en avions après toi, nous t'aurions déjà logé une balle dans la tête. Nous perdons du temps. Bailey ne peut pas retarder indéfiniment son avocat. On a fini? J'ai du monde à voir, moi. Tu me fais perdre. Qu'est-ce que t'en dis? Donne-nous la suite. Je vous ai dit de me laisser passer, Bailey. Vous n'avez pas le droit, là. Bon sang, mais qu'est-ce que vous foutez là? Éloignez-vous de mon client. Ne me dites pas que vous l'avez ligoté à cette chaise. Ravi de te voir, Freddy. Il y avait de la circulation. Il va vous falloir une pelle de la taille de la citadelle pour vous sortir de ce merdier. Vous savez que votre client verse des bakchiches au capitaine Bailey? Vous n'avez aucune preuve de... Il y a de quoi monter un dossier. Mais c'est pas votre client qui m'intéresse. C'est quelqu'un qui l'a engagé. Vous vous attendez à ce que je vous croie? À vous de décider. Mais il sera traîné en justice. Ça risque de pas être beau à voir. T'en dis quoi, Freddy? S'il cherche quelqu'un d'autre, on s'en tire à bon compte. Joram Talid. C'est un Turien, candidat à l'intendance de Zakera. Où le trouver? Il habite dans les 800. Allons-y. Alors c'est quoi le deal? Pourquoi Kelam a engagé le gamin? Pour assassiner un Turien, un certain Joram Talid. Ça vous parle? Joram? Bien sûr. Vous avez peut-être vu ses affiches dans le coin. Il prétend mettre un terme au crime organisé dans la circonscription. Le problème, c'est que son message a aussi de lourdes connotations raciales. C'est un anti-humain. Il faut qu'on empêche cet assassinat. Vous pouvez nous amener du côté des 800? Sergent, prenez un véhicule de patrouille. Ces deux personnes doivent se rendre aux 800. Oui, chef. Voilà. Vous avez une tactique à me proposer? Suivez Talit par les passerelles de maintenance. Signalez-moi ce qu'il fait. Avec ce garde du corps Krogan, ce sera facile de le filer. D'accord. Et vous? Je serai dans le coin le plus sombre, avec la meilleure vue. Amon Kira, dieu des chasseurs. Accorde-moi main sûre, visée juste, pied leste. Et si le pire doit arriver, accorde-moi ton pardon.
Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. J'espère que le jour venu, vous irez tous voter. Vous pouvez compter sur moi. Montrez aux humains qu'ils ne l'emporteront pas. J'y compte bien et ce sera en toute légalité. Pas par une tentative de coup d'État. Et n'oubliez pas, mes amis, que les traîtres sont déjà là en notre sein. Les humains se sont arrogés le pouvoir, mais sans l'appui des races inférieures, ils ne peuvent pas le conserver. Je ne m'en tiendrai pas là. Je n'aurai de cesse que les humains perdent leurs privilèges. Les autres races attendent patiemment des siècles, des millénaires pour obtenir une ambassade. Et les humains, ont-ils attendu? Non. Ils débarquent à point nommé après l'éradication du Conseil. Ils nous ceinturent de vaisseaux militaires. Ils dictent leurs conditions. Telle n'est pas notre façon de faire. Nous respectons la tradition. Les humains pensent que tout ce qui a 10 ans d'âge est obsolète, inutile. Que peuvent-ils apporter à un gouvernement de 2000 ans? Qu'est-ce que les humains nous ont apporté depuis qu'ils ont investi Zakera? J'aime bien leur bouffe. Je vais devoir vous croire sur parole. Je ne peux pas manger de nourriture humaine. Mais redevenons sérieux. Depuis que l'enclave de Shinakiba a ouvert, la criminalité a augmenté. Les conflits raciaux sont en hausse de 24% malgré l'affectation de 116 nouveaux agents du SSC à la circonscription. Bien sûr, la majorité de ces agents ne sont ni Turiens, ni Galariens, ni Asari. Ce sont des humains qui laissent leurs semblables commettre des crimes en toute impunité. Et cette corruption remonte jusqu'aux échelons les plus hauts. Croyez-moi, un humain portant l'insigne de capitaine du SSC ne vaut pas mieux que les fripouilles qu'il... Je le surveille, Tane. Il est en train de parler à des électeurs. Compris. Vous êtes en position? Oui. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. J'espère que le jour venu, vous irez tous voter. Je vous suis. Ne vous éloignez pas, Shepard. Vous l'avez? On dirait qu'il parle à un autre électeur. Vous voyez, Goliath? Non. Je change de position, je pars en avant. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. Restez proche de lui ou il va nous semer. Ne le quittez pas. R.A.S. pour l'instant. Il est à moi. Puis-je avoir un rapport? Garde parle au barman. On dirait qu'il l'aurait... Cible repérée. Hé hey, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Service d'hygiène de la citadelle. On nous a signalé que les entrepôts du coin étaient infestés de nuisibles. Quoi? Vous plaisantez? Comment vous avez fait pour rentrer, d'abord? À votre avis,
grâce à mon accréditation. Vous voyez d'autres portes ? Il y a bien les passerelles des... Goliath. Mais, dites-moi que je rêve. C'est maintenant que tu réapparais. Aide-moi, Drell. Je ferai tout ce que tu voudras. SSC, pose cette arme, petit. Ne vous en mêlez pas. Je m'en vais, et je l'emmène avec moi. Ils ont posté des snipers. Je n'ai pas besoin de... Bordel, mais... Talid, foutez le camp. Ouais, d'accord. Coffrez-moi ce gamin. Espèce d'enfoiré! Ton père n'a plus bien longtemps à vivre, Goliath. Il essaie de racheter ses erreurs. Quoi? T'es venu implorer mon pardon? Pour pouvoir mourir en paix, quelque chose comme ça? Non, je suis venu t'apporter la paix. Tu m'en veux parce que j'étais absent à la mort de ta mère. De son vivant, tu n'étais pas là. Pourquoi ça aurait changé à sa mort? Ta mère, ils l'ont tuée pour remonter jusqu'à moi. C'était de ma faute. Mais, dites-moi que je rêve. C'est maintenant que tu réapparais? Après avoir confié sa dépouille aux profondeurs, je suis allé les trouver. Bourreaux et meneurs. Je leur ai fait du mal. Jusqu'à les tuer. Quand je suis retourné te voir, tu étais plus âgé. J'aurais dû rester avec toi. Dommage pour moi que tu aies attendu si longtemps, alors, hein? Goliath, j'ai supprimé bien des mauvais éléments de ce monde. Tu es ma seule bonne contribution. Vous feriez peut-être mieux d'en parler seul à seul. Messieurs, accompagnez Goliath et son père au poste. Donnez-leur une salle et le temps qu'ils veulent. Vous lui rendez service, Bailey. Merci. Ouais, vous m'enverrez une carte à Noël, un truc comme ça. Il faut que je retourne au poste. Venez, je vous les pose. Le gamin encaisse. J'ai fait des recherches dans les archives du SSC. Il y a une dizaine d'années, un groupe d'individus tous sauf recommandables a été tué. Comme si quelqu'un faisait le ménage. Le suspect principal était un Drell. On n'a jamais réussi à le coincer. Les crapules se font beaucoup d'ennemis. Ça aurait pu être n'importe qui. Non, c'était forcément un assassin exceptionnel. Le meilleur, peut-être. Comment ça s'est passé? Nos problèmes ne peuvent pas se résoudre en quelques mots. Nous allons continuer à parler et voir ce qui en découle. Votre fils a commis des meurtres. Je ne vais pas pleurer ses victimes, mais le fait est là. J'ai vu ces types extorquer de l'argent aux commerçants et menacer les humains. Ouais, mais ça ne légitime pas son geste. Il veut rendre service à la société. Donnez-lui des travaux d'intérêt général. Des TIG pour tentative de meurtre? Y a pas un juré au monde qui accepterait ça. J'entends bien. C'est pour ça qu'il faudrait garder l'affaire loin des tribunaux. Que ça ne sorte pas du SSC. Intéressant.
Je vais y réfléchir. Merci, capitaine. Shepard, bienvenue parmi les vivants. Je me demandais si vous aviez reçu mon message. Ça faisait un bail, capitaine. C'est conseiller, désormais. J'ai dû renoncer à mon grade quand j'ai rejoint le conseil. Heureux que vous soyez venu. J'aurais souhaité que le reste du conseil assiste à notre entrevue, mais il ne m'écoute que rarement. Parfois, je me demande si Udina n'aurait pas été un choix plus indiqué. Personne n'a prétendu que ce serait facile, mais je vous connais. Vous réussirez. Merci du vote de confiance. Mais je doute qu'Udina partage cet avis. D'après lui, je dois encore étoffer mes compétences relationnelles. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis là. Depuis votre retour, les rumeurs vont bon train. Certaines ont eu le don de m'interpeller. Je tenais à vous donner une chance de justifier vos actes, et peut-être de rallier le conseil à votre point de vue. Mais ils ont refusé de vous entendre. Lors de l'attaque sur la citadelle, vous n'avez rien fait pour sauver l'ancien conseil. Ils craignent que vous n'ayez les intérêts de l'humanité un peu trop à cœur. Les rumeurs de votre collaboration avec Cerberus n'ont rien fait pour les en dissuader. J'aimerais comprendre. Visiblement, il n'y a que Cerberus pour se soucier des colons disparus. Je compatis pour ces colons, Shepard. Mais ils se sont réfugiés dans les systèmes Terminus pour échapper à l'Alliance. Nous ne pouvons pas les protéger. Mais vous, si. Ou au moins, vous essayez. Et j'ai le sentiment que vous ne m'avez pas encore tout dit. Les moissonneurs ont refait surface et ils utilisent les récolteurs. Ce sont eux qui ont orchestré les enlèvements des colons. Les récolteurs? Nous n'avons jamais envisagé cette piste. Nos données sont lacunaires. Nous pensions qu'ils n'étaient qu'une menace marginale. S'ils opèrent pour le compte des moissonneurs, c'est énorme. Mais je doute que ça suffise à émouvoir le Conseil. Mes collègues ont passé les deux dernières années à se convaincre que les moissonneurs n'existaient pas. J'ai eu beau insister, ils refusent de voir la vérité en face. C'est plus confortable pour eux d'incriminer les guettes. Ça ne vous ressemble pas de baisser les bras. Je n'ai pas baissé les bras, mais il faut être réaliste. Tout conseiller que je suis, il y a des limites à ce que je peux faire. C'est à vous d'arrêter les moissonneurs, Shepard. Je ne peux vous offrir qu'un titre. Si vous voulez, je peux vous rétablir dans vos fonctions de spectre. Ça va en faire grincer quelques-uns, mais c'est légalement indiscutable. Votre titre n'a jamais été officiellement révoqué. Et puis, vous restez le héros de l'humanité, et le Conseil sait trop bien ce qu'il risque à négliger notre opinion. Je prends tout ce qui pourra me servir. Venant de vous, c'est encore mieux que la première fois. La cérémonie est moins ronflante, et le titre plus symbolique que réellement utile, mais il devrait vous ouvrir quelques portes. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Je ferai en sorte que le Conseil et l'Alliance vous serrent de moins près. Rien d'insurmontable si vous opérez dans les systèmes Terminus. Anderson, nous devons parler de Shepard. Qu'est-ce que vous fichez ici? Je passais rendre visite à Anderson, c'est tout. J'espère que vous n'avez rien fait de compromettant, conseiller. Comme tenter d'arranger une audience avec le Conseil, les conséquences politiques pourraient être fâcheuses. Je n'ai pas de compte à vous rendre, Udina. Allez vous enfermer dans votre bureau et méditez un peu là-dessus. Soit, conseiller. Bonne journée à vous deux. Désolé. Il n'a pas digéré qu'on m'ait préféré à lui pour siéger au Conseil. Je dois parfois le remettre à sa place. Udina ne fait que son travail. C'est exact. Je dois admettre qu'il a son utilité. Il connaît les intermédiaires les plus influents de la citadelle. Sans compter qu'il ne se fait pas prier pour remplir mes obligations diplomatiques. Qu'est-ce que vous devenez depuis le temps ?
Je n'avais pas prévu de couler mes vieux jours au sein du Conseil, loin de là. Parfois, j'ai l'impression de me cogner la tête contre les murs. Connaître la vérité sur Sovereigne, ça tient du cauchemar. On ne peut reprocher à personne de refuser d'y croire. Mais je sais à quel point c'est important, alors je persévère. C'est pour la bonne cause, n'est-ce pas ? Oubliez Oudina et le Conseil. Rejoignez mon équipage et aidez-moi à arrêter les récolteurs. J'ai passé l'âge de courir la galaxie. J'ai beau m'en plaindre, ce que je fais ici a son importance. Cette mission, c'est la vôtre, Shepard. Je ferais mieux d'y aller. Bien sûr, Shepard, je comprends. J'aimerais pouvoir en faire plus, mais si vous avez besoin de parler, vous savez où me trouver. Un dernier conseil, soyez prudent. Cerberus n'est pas digne de confiance. Faire pour vous, commandant ? Il y a quelque chose que je devrais savoir. Vous avez des... autre chose, commandant ? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Je n'en reviens toujours pas que Mylon m'ait trahi. Qu'il ait trahi mon travail. Ses actes me révulsent. Mais son culot en impose. J'ai toujours cru qu'il manquait de caractère. J'espère qu'il fera des découvertes, qu'il améliorera son objectif et réduira les tortures. Et les données de Mylon sur les génophages, ses tentatives de trouver un remède. Oui, eh bien, je les ai mises dans ce coin-là, je ne vais pas m'en occuper maintenant. Les récolteurs avant tout. Quoi qu'il en soit, c'est sans importance. Je vous remercie de m'avoir aidé, surtout Chanka. Il faut reprendre le travail. Nous avons déjà perdu trop de temps. On se reparle plus tard.